Bienvenue toujours ce jeudi, tu vois. Même les arbres, ils me demandent pardon. Tu sais que tu peux être incarné en marbre. Hein. Tu peux être incarné en n'importe quoi, le temps n'existe pas. Il passe. Et là t'as le bestiole, elle n'ose pas rentrer. Elle va rentrer. Bon, je vais la faire chier, elle va se barrer. Bon, il y a du vin sur une queue de 13. Et les hirondelles. Oh, vous massacrez tous sur cette planète. Je suis gentil, je suis plein de bénédictions, je suis plein de machins. Vous comprenez rien à ce que je vous dis. Ils ont la tremblote et tout, bon, il y a un petit peu de vent, bon, c'est normal. Voilà. Ça veut dire over, ça veut dire gamme over. Bon, quand même. Je reprends raison de moi, quand même, de dire, savoir raison garder. Grant, pour ne pas se tromper. Tout. Et vas-y. Quand même. Non, je ne suis pas un numéro, le prisonnier. Non. J'ai vraiment l'impression d'être enfermé sur Terre tellement vous êtes con. Enfin, pas con. Des protocoles. T'as prêté serment, bah, t'auras mieux fait de prêter serment. T'as signé les protocoles, t'auras mieux fait de signer rien du tout. Tu veux être un pion de Matrix, eh ben, si tu veux, mais pas moi. Sûrement, je crèverai dans la misère, on fera du pognon, ben justement. Fais toujours du pognon quand t'es mort, pas quand t'es vivant. Regarde Johnny. Bon. Regarde le foot. Bon, je m'en branle aussi. Bon. C'est dégueulasse. Usine à pognon, formaté. Avant qu'il y ait un jugement dernier, il faudrait un petit jugement premier là. C'est Chris Denis qui parle, je fais l'éternel, c'est l'Antoy, c'est le gros, c'est l'Antoy service pour la vie. Car la vie c'est la mort, et c'est la vie. On monte tous et on descend dans l'espace-temps. Même en cactus, tu peux être incarné. C'est dit la pioche. Coucou. C'est vrai qu'il faut mettre la clé. Sinon le coup il tombe et tout le vin il va partir. Un birnout, un burnout,
toi depuis 2011. Pourtant là, je suis zen, comme c'est pas possible. Bon. Finalement, mon acte de renaissance, il est faux. Bon. Finalement, mon père, c'est pas mon père. Bon. Finalement, ma femme, c'est pas ma femme. Bon. Ça aurait pas dû du tout se passer comme ça. Putain. La ligne d'annonciation 2009. La Ifran, la cascade de la Vierge, tout ça. Mais finalement, il n'y aura pas de sauveur. Le petit devrait avoir 9 ans, 8 ans. Eh bien non, il n'y aura pas de sauveur. Le seul qui peut encore interférer, intercéder, toujours moi. Rédemption. Putain, il n'y a pas grand monde à rédempter. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Franchement. Tiens, t'aimes mieux la bestiole. Prends la bestiole. Pou. Même la mouche a une fonction. Tout a une fonction. Mais vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre. Tout est fait pour aseptiser. Au niveau de l'esprit, il est pas. Ça n'a jamais été aussi bas. Après, c'est sûr, j'insulte tout le temps tout le monde parce que voilà. Pour moi, un riche, c'est bien quand il est mort. On n'a qu'à partager. On va le faire. Tout en camion. Que pour tout le monde. Pas super content. Je le dis zen parce que c'est le matin. Je vais retourner faire un tour en noosphère là, ça ira mieux parce que. Envoyé spatial, putain les couilles. Même vide, j'en ai toujours plein les couilles. Coucou. Grande pour ne pas se tromper. Après, j'ai récupéré le tournant, voilà. Il y a les hirondelles qui passent. Après, je parlais des arbres. Voilà, ils ont des pousses vertes, ça tombe, c'est des platanes, voilà. Mais les abeilles. Même les abeilles, elles s'en branlent maintenant. Histoire de que c'est qu'elles ont plus de rennes ou qu'elles ont plus de ruches. Les abeilles elles se bourrent la gueule. Un problème. Vous voulez pas voir. Tu regardes ta télé. Tu vas interdire la télé. La seule possible c'est Téléternel. Ça, t'auras jamais une pub de merde, c'est pas pour du pognon. Comme je vends pas mon âme, je la donne. Et vous comprenez pas. C'est ça le problème. Moi je vends pas mon âme.
la donne à tout le monde. L'échange, le partage et le savoir. C'est bon, maintenant le XAPA c'est numérisé aussi. Tu passes par Swift, tu passes par là, tu dis tes intentions. Tu vois qu'ils vont me niquer ma cotorette. Au bout d'un moment, j'en ai rien à foutre. Je serai à la campagne, deux tomates, deux poulets, des œufs frais. En fait, j'en ai vraiment plus rien à foutre. Un troupeau de Mongols. Bon. Faut pas dire comme ça, parce que tu dois rassembler tous les peuples, tu dois faire ton Christ. Tu dois... Le vieux de 96 ans. Ah, t'es un Christ. Non, fais-le pas tomber. Hein. Ouais. Fais-le pas tomber. Hein. Ça va, pour faire un contrepoids, il y a une clé de 13 à la pipe. Vieil outil, tu dois venir du père de Christelle Marie. Dans ma vie, il n'y a que des maris. Maman, c'est Marie-Thérèse. Tata, c'est Liane, Irma, Marie. Florence, c'est Florence Marie. Et puis Christelle, c'était Christelle Marie. Il n'y a que la Sophie qui est vraiment complètement con. Pas vraiment, parce que quand même... le sophisme, c'est compliqué.